slow. Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour vous faire part d'une petite info qui est apparue il y a très très peu de temps, qu'ils ont rajouté, donc que Rockstar a rajouté. Alors je vais vous parler du fourgon blindé de la police. Donc il avait été supprimé pendant un certain temps, très très longtemps même. J'avais été vraiment déçu de la part de Rockstar d'avoir supprimé le fourgon blindé, parce que moi je me tapais vraiment des barres avec des abonnés ou même des potes avec ce petit fourgon blindé. Ils l'ont supprimé, mais ils l'ont fait réapparaître. Donc je me suis baladé hier soir sur GTA, dans la map de Los Santos. Je suis allé au commissariat pour aller faire un petit tour comme ça au par hasard. Et quand je suis allé au commissariat, et bah écoutez, j'ai vu que le fourgon blindé était de nouveau là. Alors beaucoup de personnes vont me dire que ce n'est pas intéressant que le fourgon blindé soit de nouveau là. Et il y en a qui vont aussi me dire que ce fourgon blindé a toujours été là. Ok, il a toujours été là, mais sauf que durant les récentes mises à jour, le fourgon blindé a tout simplement été rayé de la carte. Il n'apparaissait plus à cet endroit-là, donc c'était bien dommage. Et donc du coup, je pense que c'est assez intéressant pour vous de savoir ça. Comme ça, si jamais vous voulez faire des délires avec vos amis, ou que vous voulez faire, je sais pas, une petite bande-annonce ou des trucs comme ça avec le fourgon blindé, je pense que ça peut être intéressant. Il y a moyen vraiment de se taper des barres. Vous pouvez le prendre sans aucun souci, ne vous en faites pas. Regardez, je vais monter dedans. Par contre, le seul souci, c'est que quand vous allez monter dedans, techniquement, vous allez avoir les flics, mais vous avez qu'une seule étoile. Vous sortez tranquillou et à ce moment-là, vous pouvez... Bah, vous appelez Lester et vous vous cassez, et après bah, vous pouvez garder ce petit fourgon afin de vous éclater. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que cette petite info vous aura un peu éclairé sur pourquoi le fourgon blindé avait disparu, parce que je pense pas que je sois le seul qui avait remarqué cela. Je vais vite fait vous inviter à me rejoindre sur ma chaîne secondaire. Donc c'est une chaîne 100% let's play, donc je vous ai mis le lien dans la description. Je vais aussi vous inviter à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc tous les liens seront dans la description. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher un maximum de likes, et pourquoi pas venir vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à tous à très très bientôt. Allez, ciao bébé et tout le monde. Si jamais tu cherches des abonnements Xbox Live ou des points Microsoft pas chers, je te conseille d'aller faire un petit tour sur le site d'abonnement Xbox Live qui se trouvera dans la description.